Alors bonjour à tous, ici Skagalaxa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Ruby Omega. Hop. Et ok. Alors. Hop. Oh. Gars. Yeah. Ce n'est qu'une perte de temps, mon pauvre Arthur. Max. Ah ah ah, quant à toi, gamine, je voulais justement que tu sois là pour acheter à ma Triomphe. Ah, c'est parfait, vraiment parfait. Je vais te présenter ma pièce maîtresse. Celle qui va aider la Team Mama à faire progresser l'humanité. Roudon, le Pokémon ancestral. Admire, regarde comme il est grand, endormi tranquillement dans cette mer de lave bouillante. J'ai entendu ce moment si longtemps, j'ai l'impression qu'un temps infini s'est écoulé. Notre monde insensé est arrivé. Arriéré, pardon, repose sur l'idée de coexister entre les hommes et les Pokémon. Qualité absurde. Mais aujourd'hui, grâce à la puissance du Primo Roudon, nous allons mettre fin à cette folie et créer une nouvelle terre. Ou bâtir notre monde parfait. Pour y parvenir, je n'ai qu'un dernier mur à abattre, toi. Et je mettrai tout en œuvre pour y arriver, tout y compris la méga évolution. Tu ne croyais pas quand même pas que tes Pokémon et toi étiez les seuls à pouvoir l'utiliser. Je m'excuse de ne pas t'avoir dévoilé l'étendue de ma force au mont cheminée et au mont mémorial. Il est temps de réparer cette erreur. Waouh! Ok. Il est fou le mec. Pardon. Ok. Ah, j'ai un peu... mais non. Non, je veux pas. Mais... pardon. Quarante quelques. Ah, je suis toujours empoisonné. Ah, il est paralysé. Thank you.
Ça me va pas mal, hein. Comme ça je refais un surf et il est KO. Voilà. Cool, le M qui est sur son... sa tête. Ah, impressionnant, j'aime dire ça. Impressionnant, j'adore même plus. C'est époustouflante. Une vraie Auréline qui croit jusqu'au bout en un monde où hommes et Pokémon vivent en harmonie. Qui rejette mon idéal, qui se débat pour retarder l'inévitable. Chaque monde a le héros qu'il mérite, j'imagine. Mais je ne te laisserai pas traîner mon idéal dans la boue. Le monde doit aller de l'avant. Grâce au pouvoir de la gemme rouge, Groudon effectuera sa première résurgence et ce sera le début de la fin. Maître Max, un instant. Kelvin, reconsidérez votre plan, je vous en prie. Vous ne comprenez pas que Groudon mettra fin au monde actuel, mais que le nouveau monde, nouveau départ dont vous rêvez n'aura pas lieu. Comme si je n'avais pas remarqué que tu rêvais de prendre ma place. C'est vraiment triste d'être trahi par Sasango. Finalement, je peux compter que sur toi, Groudon. Vas-y, absorbe toute la puissance de la gemme rouge, retrouve ta forme primaire. Accomplis à nouveau cette incroyable évolution et retrouve ce que tu as perdu il y a si longtemps. Le temps est venu. Oh. Voilà. Ah ah ah, enfin, j'ai réussi. L'humanité va enfin disposer de nouvelles terres pour se développer pleinement. Quelle ambition. Un appel de l'équipe de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil? Une température canulaire? C'est normal, c'est mon objectif. En fait, je veux dire notre objectif. Quoi? Comment ça, plus chaud que prévu? Comment ça, tout est en danger? Impossible. Ils viennent à peine de se réveiller. Comment peut-il déjà être aussi puissant? Mais alors... complexe à prendre l'urgence, comment quoi qu'il en soit, continuez à me tenir au courant. Maître, qu'est-ce qui se passe à la surface? Je ne comprends rien, la gemme rouge, je voulais juste réveiller Groudon, un monde idéal pour l'humanité. Max, on dirait que tu as sous-estimé le pouvoir de Groudon et sa primauré urgence. Comment oses-tu? La fin, façon primo Groudon, ça détruit toutes les adultes qui vivent sur la planète. La désolation totale, voilà ce qui nous attend, il n'y a aucune issue. Tout ça parce qu'un imbécile s'est imaginé qu'il pouvait contrôler un Pokémon ancestral. On dit que cette fois, les prévisions de Sant'Miko étaient justes. Maître Max, on ne peut pas rester à rien faire. On doit sortir voir ce qui se passe vraiment dehors. Hé, hey, petite, tu viens avec nous, dépêche-toi. Voilà, ça sent pas bien, ça sent pas bien, ça sent pas bien, ça sent pas bien, ça sent pas bon. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je voulais juste sauver l'humanité. Je souhaitais créer une nouvelle ère, atteindre une nouvelle phase de notre évolution. Max, c'est donc ça la puissance du Pokémon ancestral. Le pouvoir de Groudon est capable de réduire le Pokémon entier à néant. Tout va disparaître sur la planète, nous, les Pokémon et toute la nature. Gamine, allez, on fonce à Thanopolis. Cette vermine de Groudon va se rendre là-bas, c'est clair.
Je parle bien sûr de la grotte Origine au centre-ville. Paraît que c'est là que se trouve la source d'énergie nécessaire à Primo et l'agent de Gaudon. Gaudon sera au fond de cette grotte pour mettre les griffes dessus. Ça fait aucun doute. Pas le choix. Faut poursuivre cette terreur et l'en empêcher. Max, toi et tes patins, vous venez avec nous. Si le monde est en bagarre à cause de nous, alors faut bien que quelqu'un paye les pots cassés et y mette un terme. T'as quelque chose à redire? Max, allons. Allons-y, allons-y. Yamin, on est désolé pour tout ce gars, vraiment. Mais je dois te demander le service d'aide nous à sortir de cette situation. On t'attend à Tanoupolis, je compte. Compte sur toi. Compte à quoi? Ah, excuse mon retard. Quelle catastrophe. Ainsi, les peintures découvertes de la grotte de granit décrivent un tel événement. Si on ne fait rien, Owen, que dis-je, le monde entier sera réduit en cendres. Les humains et les Pokémon seront rayés de la surface du globe. Il semble qu'une boule de feu dégageant une chaleur intense soit apparue au-dessus d'un talon poli. C'est maintenant tout ce que je veux. Non, il essaie de tergiverser ici. Nous devrions nous rendre sur place. J'ai confiance en toi. Je sais que tu accepteras de venir en aide, mais prends bien garde à toi. Très bien. Je me rends de ce pas à Tanopolis. À plus tard. On va nous amener aussi. Je sais pas. Ok. Bon, ben on y va du coup. Alors, à Tanopolis. Attends, non, peut-être que... Ouais, non, je crois pas que ça soit par là. Hein. Je sais plus. C'est là. Ok. Ok. Hop. Ouais. C'est perdu, entre guillemets. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye.